Dans un bar. Le naufrage inévitable fut rapide. Joseph sombra. Yeah.
Alors mes sœurs, si vous le voulez bien, nous allons au Litalé faire d'étranges choses censurées par les rabbins. Qui pour sûr ne s'en sortirait pas sans quelques échymoses. Et même peut-être de méchantes blessures. J'ai pourtant entendu à la télé que certaines médecines modernes pouvaient d'un rabbin les plus qu'affreusement faire mieux qu'un musulman. Cette idée peu banale envahit son cerveau et le vit le lendemain matin prendre son vélo pour se rendre chez un chirurgien esthétique, Monsieur Paul Ray, un homme épique. Bien lui en paix, car du haut de la citadelle, une pierre monumentale tomba et s'écrasa là à quelques pas de l'illustre cime à l'aide, comme le savon vite, autant fois vite, autant fois alors. Et le suivit partout, et le suivit partout, et le suivit partout, et le suivit partout, je vais enfourcher
4.
Oh.
Je ne t'apprenne qu'un geste stupide parce qu'il sera le seul que tu saches faire. Et ils te font marcher comme un ordinateur à zéro. Blanc, noir, bon, mauvais, gentil, méchant, héros, lâche. Ils t'ont appris à avoir peur du noir, des araignées, des autres petits et de tes propres pères. Ils t'ont fait peignoir debout dans un placard vide-vide. Et tu ne peux même pas écarter les deux bras à l'horizontale, tu ne peux pas bouger les doigts, tu ne peux pas palper. Il t'empêche surtout de penser à t'ouvrir, il t'empêche surtout de penser à t'ouvrir, il t'empêche surtout de penser à t'ouvrir. Petit grand. Lorsque le soleil crache ses rayons, ont le même angle pour les objets, les animaux et les hommes. Il est rond, jaune et chaud, très puissant et très haut, et c'est lui, le grand chef des couleurs et des formes. Cette feuille vernissée, et toi, lui renvoie son reflet, lui renvoie sa vie. Lorsque la lune soulève quelque chose dans ton ventre, elle soulève aussi l'océan. Fais tout comme toi, toi. 80%. Si tu n'étais pas là, elle tomberait dans la soupe à néant. Et vive la mécanique. Petit grand gros, t'es dans tout le monde, est un serpent qui se mord la queue de poisson. Tête bêche tournant sans fin dans un bocal. L'univers est une sphère où se croisent tous les cycles. Les réalités sont multiples et c'est tout en boîte que je porte à ma ceinture. Pour manifester une haine de masque, une admiration respectueuse, un coup de foudre bouleversant.
Divertissons-nous.